event. Nous acheminons allègrement vers la fin. It's been a very glorious event. Ça a été un événement glorieux. And I want to call on our mother, Mrs. Gloria, for a lot of thanks. Je vais faire appel à notre maman, maman Gloria. Alléluia. Amen. 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 I truly want to thank God for this day. Je veux réellement remercier Dieu pour ce jour. For making this project possible today. Pour avoir rendu ce projet ce jour si possible. For making a huge success today. De l'avoir fait un grand succès. If He had not granted us the grace, we would not have been able to do it. Si nous n'avions pas donné la grâce, on n'allait pas pouvoir le faire. Thank God for His grace. Nous remercions Dieu pour sa grâce. And I want to thank everyone who has been part of the preparation for this day. Et je veux dire merci à tous ceux qui ont fait la préparation de ce jour. Every effort that you have put in. Tout effort que vous avez fait. I want to tell you that you did not do it because you did it for the Lord. Mais vous dit que vous ne l'avez pas fait pour l'homme, mais vous l'avez fait pour Dieu. You to know that God will not forget your labor of love. Et je vais vous assurer que Dieu ne va pas oublier votre œuvre et ne va pas aussi oublier vos efforts. I want to thank Pastor Alinge. Je veux remercier le pasteur Alinge. I want to thank our dear sister, Sister Olga, and her family. Merci, Sister Olga. Thank Joel and Theo, from Bonoa. Depuis Bonoa. Pastor Alinge from Rubino. Le pasteur Alinge, il est quitté à Rubino. They all came to be part of what has happened this morning. Ils sont venus tous assister à ce qui se passe. And I want to tell that we are very grateful for your effort to be here. Et nous sommes vraiment, vous dites, nous sommes reconnaissants. Nous apprécions vraiment vos efforts à être ici. I want to thank Mr. Akre. Je veux remercier Monsieur et Madame Akre. For also what they have done for this meeting. Pour ce qu'ils ont fait pour cette réunion. I want to thank our boys in the house. They really gave themselves for it. Et je veux aussi remercier nos jeunes gens. Ils sont vraiment donnés. And I want to thank everyone. I want to thank our brother Akko. Et je veux remercier notre frère. Qui est ici pour interpréter aujourd'hui. I really thank God for all of us that have been here. Et je remercie Dieu pour tous ceux qui sont ici. So encouraging, if nobody is here, are we going to talk with the tears? Est-ce qu'aujourd'hui, si personne n'est ici, est-ce qu'on peut vraiment parler? So we thank everybody for your Est-ce qu'on va parler aux chaises? Donc, nous remercions tout le monde pour vos efforts. Thank you so much. Merci infiniment. Together, the Lord is going to do what. With us together, the Lord is going to do what He wants to do. Ensemble, le Seigneur va accomplir ce qu'il veut. As we avail ourselves to Him. Pendant que nous nous rendons disponibles. Thank you so much. Merci. We cannot thank you enough. Nous ne pouvons pas, les mots sont suffisants pour dire merci. We say thank you so much. Mais nous disons merci. Alléluia. Amen. They gave us a good time, good publicity. We are really grateful to them. They are serving the Lord. What a wonderful thing! Je veux aussi exprimer ma gratitude à Radio Fréquence Vie qui nous a donné un temps d'antenne pour vraiment faire la publicité autour de cet événement. But also, I won't forget my brother Christian. Je ne vais pas oublier mon frère Christian. All these exhibits on the wall, I had it in my mind, I just couldn't find somebody who will design it on paper. And it was at the last minute that he came as a miracle and he said, oh Pastor, I think I know you are talking what you are talking about. Vous voyez tous ces décors qui sont au mur, j'avais ça en idée, mais je cherchais quelqu'un pour mettre ça sur papier. Les idées étaient là et miraculeusement, Dieu l'a apporté. On the wall took about 7 days, almost 20 hours every day. Vous voyez ce que vous voyez là, c'est l'œuvre de 7 jours, c'est au moins 20 heures de travail par jour. I couldn't sleep, my wife has been sleeping alone. Je ne pouvais pas dormir, ma femme m'a dormi seule. You know,
just couldn't, it's what God told me 30 years ago. I can't take it off my mind. I can't say no, I can't do anything else. Vous voyez, c'est ce que Dieu m'a dit. Je ne peux pas soustraire mon esprit de cela, je ne peux pas dire non. So I'm really very grateful to Christian. He didn't only do it, but he actually taught me how to do it. So I continued from where he stopped. Vous voyez, je remercie Christian parce qu'il ne l'a pas juste fait, mais il m'a appris à le faire. Et de là, il m'a appris, je vais continuer. He's a very good brother. C'est un bon frère. Je vais continuer. My wife has said it, but I want to say again, my family, you guys are wonderful. Please come forward, all of you. Et ma femme l'a déjà dit, mais je veux dire ma famille, les membres de ma famille, venez. Please come forward. Venez. Why are you going behind the camera? Venez devant, on peut vous voir. Voilà. And this is my house, this is my family, as you can see. Vous voyez, ça, ce sont les membres de ma famille. This is, remember what happened, who's running away? Ça, c'est un membre aussi de ma famille. Mais il fuit. What do you? Mais il fuit. Parce que c'est une membre de ma famille. All right, so. These people really did amazing things for me. Vous voyez, ces personnes ont fait des choses merveilleuses. This young man, ces jeunes gens, are really great men. Ils sont des grands hommes. And I sent them out. They speak as if they are diplomats. Et je les ai envoyés. Ils ont parlé comme si c'était des diplomates. They went to Missions Civilisés d'Abidjan. We went to see the director and spoke. You know, they are exceptional when they. Au musée d'Abidjan, ils sont allés là-bas rencontrer le directeur. Ils ont fait un exposé bien là-bas. I really like who they are becoming. Et je suis en train de They can enter anywhere in Abidjan. They can speak like as if they are not boys, as if they are men. So ils peuvent aller partout, rentrer dans tous les bureaux Abidjan, n'importe quel bureau, et parler comme des hommes, pas comme des gamins. Personally, I'm very difficult. So moi personnellement, je suis difficile. I make it really difficult for them. They talk about me, but no problem. Mais vous voyez, souvent je les donne aussi du fil à retordre, mais il y a pas de problème. You know, of course, like I said, my wife has made so much sacrifice for all these things. Oui, ma femme a consenti beaucoup de sacrifices pour ces choses. Sometimes she lives as if she's not married. Souvent elle vit comme si elle n'était pas mariée. That's the problem of marrying a missionary. Ça c'est le problème. Tu maries un missionnaire, ton mari est missionnaire. All right. So, and my daughter, my big daughter here. Ma grande fille ici. Who doesn't also sleep? Elle aussi qui ne dort pas. She's the governor of the house, but she is the one who gère la maison. Just everything is on her hand, and this program for like 3-4 days now she has not slept. Vous voyez, après ce programme pour 4 jours maintenant, elle n'a pas fermé l'œil. She has made all the snacks that we eat. Vous voyez, tout le monde, tous les petits trucs qu'on a mangé ici, les bouquets, les petits trucs. She made the trousers that I wore. She went to the market to buy it. Vous voyez, même les habits que je porte, le pantalon, c'est même à l'autre côté. Just a wonderful person. Et c'est une personne merveilleuse. When she marries, I don't know what we'll do, but we'll talk si, about si, c'est marié, je pas comment faire. This is the latest member of my family. She is absolutely amazing. Vous voyez, ça c'est la dernière de ma famille. She sat down and showed me how to plan a program, and I was amazed. Elle s'est assise, on s'est assis, elle m'a montré comment planifier un programme. Because that's her plan, that's her program, that's her training, rather. Oui, c'est parce que c'est ce qu'elle a fait comme formation. Really wonderful, amazing way. Vraiment merveilleux. Thank God that our sister Grace Valerie was supposed to be the MC today and she had to travel and she just. Vous voyez, on avait programmé quelqu'un pour faire le MC, Valérie, elle a voyagé et so, elle a dû. I mean, we all know that Dory did well, isn't it? Did she do well? Yeah. Est-ce qu'elle n'a pas bien géré? Vous voyez ce monsieur qui est un jeune homme qui se cache. This is the machine of the house. Ça c'est la machine de la maison. He goes everywhere. Il va partout. We send him to everywhere. On en va partout. Everybody is sending him in the house. C'est l'homme à tout faire. Il va partout. And then, but he doesn't complain. Mais il se plaint pas. So we are really grateful. Nous sommes vraiment. He's becoming a great man. Nous apprécions. Nous sommes vraiment reconnaissants. Il devient un grand monsieur. Great child of God. Il devient un grand enseignant de la parole de Dieu. Now we are happy. Nous les bons, nous sommes contents. Okay, so God bless you very much. Que Dieu vous bénisse. Yeah.
Amen. Thank you. Our guest speaker, she didn't she forgot to talk about our daddy. Elle a oublié de parler de notre papa. L'orateur principal. C'est le premier Ivoirien qui a voyagé partout. You see this papa, my every country, you are going to Chad. Il est parti au Tchad. Nigeria, you are traveling to Nigeria where me myself I didn't go. Et même il a foulé des parties du Niger où moi-même je ne suis pas allé. As a missionary there. En tant que missionnaire là-bas. Sénégal, Mali, Sénégal, Sénégal. Papa has gone everywhere. Il est parti partout. We are really grateful to have him now. Et nous sommes vraiment reconnaissants, vraiment, nous apprécions le fait qu'il soit parmi nous. Merci bien, papa.